Du coup, mais bon, changement de programme, on va pas direct chez Camilla parce qu'elle a pas encore fait les courses et tout. Je voulais les faire, mais elle m'a dit non, en gros, c'est elle qui allait tout faire vu qu'on fait chez elle. Du coup, je vais dire chez Sage, je rentre et j'ai rendez-vous à 14h chez Camilla. Le temps de changer Sage, de la préparer, de la laver un peu, de manger parce que les repas emportés comme ça, bof bof quoi. Donc voilà, c'est le week-end, c'est Anna en week-end, ma petite vie, elle va être trop contente. On vous a prévu plein de petits trucs trop cool, vraiment. Hop là, allez, j'y vais mes pompes. Y'a personne qui veut venir me voir? Pardon? Personne qui veut venir me voir? Ça pour Adam et Simon. Et Simon, qu'est-ce qu'on dit? Mon amour! Pourquoi mon cœur t'as du feutre partout sur ton t-shirt, mon amour? C'est toi qui as fait ça? C'est pas grave. C'est les anniversaires à qui, c'est Anna aujourd'hui? J'ai même pris une photo. Du coup, les filles, Halloween le 31. Donc, y a pas de gâteau à porter ou quoi, c'est que les déguisements. Oui. C'est Anna, elle a déjà acheté son déguisement. C'est quoi ton déguisement, Sana? Sorcière. Oh, tu sais, va, tu sais, j'ai une fleur parce que j'aime trop. Tu sais, on va où là? On va faire des gâteaux d'Halloween avec Tata Camilla. Allez, viens. Oui. Avec Kenan. Allez, viens. C'est le week-end là, t'as plus école. C'est le week-end, mon amour. Oh, ma grande. Non, c'est pas aujourd'hui Halloween, c'est le 31. Mais bon, du coup, le 31, il faut venir avec des déguisements. Donc, le 31, je crois que c'est lundi. Lundi ou mardi, je sais pas. Mardi. Allô, ma fille, elle est là. Donc, elle va faire son déguisement de sorcière. Je vais lui faire un maquillage de sorcière. Voilà. Et tous les enfants doivent venir avec le déguisement d'Halloween. C'est comme ça. Donc, on va venir avec le déguisement. Et à la Jeep, on ramène pas de gâteau, on ramène rien du tout. Maman, t'as dit il y a trop de bouchons. Tu m'as dit il y a trop de quoi? Des bouchons parce que c'est les bouteilles à les bouchons. Non, c'est pas les bouchons, les bouteilles. Je lui ai dit, il y a trop de bouchons, elle me dit. Parce qu'il y a trop de bouteilles. En fait, mon amour, c'est pas les bouchons, les bouteilles. Donc en fait, c'est les bouchons. Mais les bouchons de la route. Quand on dit qu'il y a des bouchons, c'est parce qu'il y a trop de voitures. On peut pas circuler. Ok. Voilà. Mais ça veut dire les bouteilles, où ils vont les bouteilles? Mais non, c'est pas les bouteilles, mon cœur. Maintenant, les bouteilles, ça veut dire où vont les bouteilles? Ma vie, des bouchons. C'est pas les bouchons de la bouteille. C'est des bouchons, ça veut dire il y a trop de voitures. Tu peux pas circuler. C'est quelque chose qui représente les bouchons. Enfin, comment t'expliquer ça, mon cœur? C'est pas pour de vrai qu'il y a des bouchons sur la route. C'est par exemple quand je te dis, oh, je vais tomber dans les pommes. Oui. Ça veut pas dire que tu vas tomber sur des pommes. Hein. Oui. Ça veut dire que tu vas faire un malaise. Tu vas tomber par terre. T'as compris? Oui, mais toi tu...
trop d'amour. Trop d'amour pour toi. J'ai trop d'amour pour toi. Maman, pourquoi tu m'as... Pourquoi t'as mis la courte à Candice, la courte à moi? Pourquoi t'as mis la courte à moi aussi? Mais pourquoi elle n'est pas là, ma gourde? Ben parce que ta gourde, elle était quelque part à la maison. Je ne l'ai pas trouvée ce matin vu qu'on était en retard. Ok. T'as d'autres questions? Oui. Quoi? C'est quoi? Oui. À l'hôpital et après il a tombé malade et après il avait un bébé gaz qui sortait. Et c'est quoi la fin de l'histoire? C'est la fin de l'histoire. Ok. Ah, j'aime pas le soleil, maman. Mais tu veux que je fasse quoi? Je peux pas aller retirer le soleil, mon cœur. Pourquoi? Ça existe pas. Pourquoi ça existe pas? Parce qu'il est dans le ciel. Dans le ciel? Bah oui, on peut pas aller le chercher. On peut pas aller chercher parce qu'il est tout haut. Voilà, il est trop loin. Il est trop loin? Ouais. Ok, mais j'aime pas le soleil. Où sont mes lunettes? Peut-être à la maison? Oui, sont à la maison de lunettes. Oui, et moi j'aime trop ta petite voix. Quoi? J'aime trop ta petite voix. Oui, est-ce que tu peux m'acheter une veste? Une veste. C'est maman qui t'ouvre. Allez, mon cœur. À l'école. C'était bien? Oh! Oh! Oups! Hey, mais hey, c'est quoi ta dégaine là? Hey, j'espère que ça part la peinture sur ton t-shirt. Candy, moi j'ai. Tu mets ton déguisement de sorcière. Mardi, quand tu auras la Halloween à l'école, tu pourras pas te déguiser en sorcière. Pourquoi? Parce qu'il y aura plus la magie de la sorcière. Le déguisement, tu dois le mettre une seule fois. Une seule fois pour que tu sois une vraie sorcière quand tu vas faire ça. Maman, transforme-toi en crapaud. Je vais devenir un crapaud. Ok, mais tu peux me mettre la sorcière. Mais là, si je te mets aujourd'hui, à l'école, tu pourras transformer personne. Tu veux transformer des gens à l'école ou tu veux pas les transformer? Je veux pas les transformer. Parce que j'avais moins de déguisement que de sorcière. Est-ce que on peut attendre mardi? Tu peux avoir un bisou? Oh, madame, je suis pas. Non. Madame. Pour l'hôpital, madame. L'hôpital. Allez, pas un pour moi, pas un pour l'hôpital. Docteur. Oui, je suis pas bien. J'ai mal. Où? Au ventre. Au ventre. On va voir est-ce que ça va bien. Ok. On va voir est-ce que ça va bien. Docteur, lui, nous, votre matériel, vos piqûres et tout. Alors, on va faire la piqûre. Ok. J'ai peur. Bah non, je ne veux pas pour me faire mal. C'est bon. Maintenant, on va mettre le déguisement de sorcière. Mais après tout ça, tu veux mettre le déguisement quand même. J'en peux plus, ça y est.
Pourquoi? C'est dur. Oui, c'est dur. Non, tu es dur avec moi. J'ai dur avec toi? Oui. Bon, mais j'ai pas dur avec toi. Si. Bah non. Je dis oui. Bah non. Je suis sûr que si. Bah je pense qu'il est faire du vélo, maman, avec mon déguisement de sorcière. Ah non, la sorcière avec pas de vélo. Pourquoi? T'as déjà vu une sorcière sur un vélo? Couverture pour un jacuzzi. On a fait une cabane. On est dans la cabane. C'est une cabane, les filles. C'est Anna. Allez, vas-y. Oh, j'ai choqué. Je sais qu'on a une vraie cabane. Voilà, mettre comme ça, c'est mieux. Voilà, attends. Hop là. Hop là. Un petit oreiller pour s'allonger. Allez, vas-y, viens. Attends, je vais chercher. Je vais chercher la couverture pour dormir. Ok. Regarde. Tu l'aimes comment ta maman? Maman, je préfère qu'on regarde la télé. On regarde la télé? Oui. On va regarder la télé? Oui, allez. On sort de la cabane? Il faut dire au revoir à la cabane. Au revoir la cabane. Au revoir, maman. Je te fais un bisou quand même. Merci la cabane. Merci la cabane. On va te laisser quand même, on va revenir après. Oui, ok, mais tu te casses pas la cabane. Tu restes la cabane. Oui. Je t'aime, c'est Anna. Moi aussi. Comment? Allez, on comment, y va? comment? Toute ma vie. Dis Wallah. Wallah. Allez, on y va. Allez, go. Mais tu nous casses pas. Je te casse pas la cabane. Mon bébé, c'est la TVA, elle a rajouté, ça fait 8400. Alors je vous explique ce qui s'est passé. Donc mes poupettes, il y a une entreprise qui s'appelle le Centre Veta, je pense que vous connaissez toutes. C'est un centre laser qui veut collaborer avec moi depuis des années. Sauf que moi je travaille avec Epil House, les filles. Donc voilà. Et donc j'ai décidé de changer de suite à plein de mauvais échos, enfin plein de choses et tout. J'ai décidé de changer de filière et de partir avec Centre Veta. Donc jusque là tout va bien. Donc Caro, elle parle avec une collaboratrice de Centre Veta qui dit gérer les réseaux de Centre Veta et tout. Elle lui donne un prix. Autant vous dire que le prix n'a rien à voir avec 7 000 euros. Aucun rapport, bref, voilà. Beaucoup moins. Donc elle lui donne un prix. Et donc cette agence, donc je vous explique. Hein. Donc c'est une agence de communication qui vient voir Caro en disant on peut faire une collab entre Poupette et Centre Veta. Caro a dit ok, le prix c'est ça. Donc, il se passe quoi? Elle dit ok, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rédige une facture. La société SK Az, là. C'était la société, les filles, on avait créé une société avec Caro vite fait un jour et on n'a pas poursuivi. Donc, elle a mis SK Az pour rendre plus crédible la facture. Elle a mis une photo de moi au Festival de Cannes. Elle a mis 7000 euros. Et elle a appelé la marque Centre Veta. Elle a dit vite, pour la facture de poupette. Elle s'appelle Emeraude. Hein. Pour la facture. Si elle ne rembourse pas aujourd'hui, je mets le nom de l'agence de communication. Elle a dit vite pour la facture de Poupette. Enfin, pour Poupette, il faut payer l'argent tout de suite. Là, tout de suite, il faut virer les 7000 euros. Donc, Centre Veta, trop content de collaborer avec moi. Bah, tiens, il a fait le virement de 7000 euros. Et là, aujourd'hui, je reçois un message. Coucou, ma belle. Centre Veta, ils essayent de te joindre depuis qu'ils ont payé la collab. J'ai dit quoi, de quel collab, de quel paiement? Parce que Caro, elle donne un prix. Mais tant qu'elle n'a pas donné de facture, tant qu'elle n'a pas donné de date. Pour la collab et tout, il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de paiement, il n'y a rien du tout. C'est limite, le paiement, il se fait. Moi, mes paiements, ils se font après la collaboration, pour vous dire.
90% des marques, sauf celles que je connais pas, ils payent après, après la collab. Donc, et là, escroquerie. Donc j'appelle la émeraude. Là, je dis, c'est quoi ça, vous faites des factures en mon nom et tout? C'est mon associé. Non, non. Ils savent plus quoi dire. Ils vont rembourser l'argent. Rendez l'argent. C'est mes poupettes. Il n'y a personne qui gère mes collaborations. C'est pas la première fois que des poupettes se font arnaquer comme ça par des gens qui font semblant d'être en lien avec moi, en contact. Il n'y a personne. Il n'y a personne. 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 À part Caro. Et c'est un WhatsApp qui finit par 80. Fin de l'histoire, je vous le dis tout le temps. Donc si c'est pas elle qui parle avec vous, c'est personne, c'est du vol. Vous faites escroquer. Comment je fais maintenant pour récupérer les 7000 euros? Ça se trouve, elle est déjà partie à Punta Cana avec les 7000 euros, elle va jamais les rendre. Comment on fait, mes poupettes? S'il vous plaît, c'est par mail. Et ensuite, une fois mail, vous êtes redirigé par un WhatsApp si ça se conclut. Et si ça se conclut, les filles, c'est un numéro qui se finit par 80. Point final. Viens ou pas faire les pâtisseries? Je t'habille? Non, pas les pâtisseries. Avec tata Camilla, tu fais les gâteaux citrouille et tout pour le Halloween ou pas du tout? Oui. Tu viens? T'es fatigué, c'est pas grave? Oui, c'est pas grave. Ok, vas-y, je te change, allez, viens. En fait, mon amour, elle a mis une entreprise, mais pas Laudrib, en fait. En fait, elle a mis notre entreprise pour rendre crédible la facture, notre ancienne entreprise avec Caro. Et elle a mis, elle a mis son rib à elle, en fait. Juste pour dire, là, c'est Caro qui m'a rédigé la facture, ou dire, il y a le nom de son entreprise, la photo à poupette. C'est juste pour rendre crédible le truc, c'est ça qui monte encore plus les nerfs. Du coup, là, c'est simple, les poupettes. Elle rend l'argent. Je veux jamais que vous fassiez voler pour une collab avec moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si vous avez un doute avant de faire un paiement, venez me voir, écrivez-moi. C'est trop risqué, c'est des risques. Je vous l'ai dit plus d'une fois, combien de fois c'est arrivé sur des montants 2000, 3000 euros. Là, c'est 7000, ça va être quoi, 20000 euros? Il y a des marques qui sont prêtes à le payer, c'est ça le pire. C'est qu'il y a des marques, elles veulent tellement travailler avec moi que des fois, je reçois des messages. Je te donne 30000 euros si tu postes pour moi. Je dis désolé, ça marche pas comme ça et tout. Mais voilà, mes poupettes, s'il vous plaît, mes reines. S'il vous plaît, mes poupettes, s'il vous plaît. Vraiment trop belle, ok? Quand ma maman t'a habillée, trop bien. Tu commences à mettre tenir maman, je suis contente. Allez, go. On va pâtisser, on revient. T'es coincée? Attendez, madame, attendez. Je vous ouvre la porte, madame. On ferme le parapluie pour la voiture, madame. C'est obligatoire? Ok, 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 bon, ok. Elle a compris. Il est dans la voiture, ça sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il pleut pas, elle a commencé sa sieste. Dans la voiture, ah non, je t'en mon car elle est KO. En bas de chez Camilla, il n'y a jamais de place pour se garer